Et donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette vidéo qui sera finalement le début en fait de d'une période où il n'y aura pas beaucoup de. Ce sera surtout des jeux un peu relaxants. C'est parti pour. Du coup, on va commencer avec Command & Conquer, Soleil du Tibérium, Mission Hydre. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup. Je vais en profiter pour faire beaucoup de jeux qui jouent avec la souris. Du coup, bien forcément, les RTS et les point and click hein, seront majoritaires durant cette période qui, je sais pas quand va s'étaler, puisque du coup, il y a le coronavirus et tout ça. Du coup, je sais pas combien de temps ça va s'écouler. Du coup, j'en profite pour montrer quelques RTS, quelques jeux point and click aussi. Du coup, je pense avec le Soleil de Tibérium, hein, qui est de loin l'un des meilleurs RTS, si ce n'est le deuxième meilleur Command & Conquer de toute la série. Du coup, nous allons bien sûr mettre Arbre Technologique à 5, c'est-à-dire qu'au moins on n'aura pas les véhicules overpétés et les véhicules de type méga pété en fait, hein, tout simplement. On va jouer le JDI. Sur cette partie. Là, je suis un petit peu malade. On va juste. Il y a plein de cartes un peu enneigées. Il y en a très peu de cartes enneigées quand même. Hein, sur... On va juste celle-là, tiens, elle est pas mal. Nombre d'unités 10, niveau technique, niveau de l'IA, bon, on va mettre 0. Hein, vrai, voilà. Nombre d'IA, voilà, c'est juste voilà, pour faire une partie quand même au pif. Nombre d'IA, maintenant, nombre d'IA, on va s'en mettre 2. 2 c'est pas mal, 2. Comme ça sera des vidéos assez courtes, hein. Je ferai pas non plus des quoique, on va mettre peut-être 3 IA, il y a trop. Ah, on va mettre 4 IA, il y a 4 IA. C'est parti! 4 maximum. Ah c'est bon? Pourquoi tu me fais chier? Ah oui, ok, parce que okay, c'est qu'en fait ça nous compte nous aussi. Du coup, ça sera 3 IA. Du coup, en fait là, on peut se mettre que ici. Hein. Alors du coup, Command & Conquer, hein, c'est vrai que... j'en ai pas énormément parlé de Command & Conquer, même en fait pas du tout en fait. J'ai... Si, j'avais fait une vidéo sur Air Rouge 2 en duo. Mais c'est vrai que seul j'en ai pas fait. C'est vrai, il faut le reconnaître. Ce qui est un défaut en soi, hein, parce que c'est une licence que j'apprécie énormément. Du coup on a le Tibérium bleu. Hein. Vous expliquer les bases de Command & Conquer hein, parce que voilà sinon on a pour 20 ans mais là du coup je pense que tous les Command & Conquer ils passeront hein, c'est-à-dire alerte rouge 1 Command & Conquer 1 etc hein. Toujours faire double raffinerie hein, toujours un truc à faire hein, de base de raffinerie alors du coup là le son sera enregistré via un enregistreur à part hein, du coup peut-être que le son sera mieux peut-être qu'il sera moins bien j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est... Parce que je vois qu'en fait, j'ai un stock de vidéos qui commence à se rétrécir. Et donc forcément, ben il faut quand même que je sois quand même actif, hein, déjà pour vous. Déjà, parce que... Ouais, c'est pas cool d'être pas actif, quoi. Construction terminée. Ouais, c'est pas cool, hein. Du coup, on va faire des unités. Unité prête. Alors le jeu est super beau, hein, clairement. C'est un jeu qui date de qui j'arrive plus à parler, c'est infligeant. C'est un jeu qui date de 99. C'est un jeu qui date de 99. Et de tour de construction. Plus ça se. Alors ce qu'on est conquérant, en plus j'ai joué hier, du coup je suis un peu remis un peu dans les bases. On va se faire un radar. Même si pour moi le meilleur Command & Conquer ça restera le Alerte Rouge 2 hein, clairement. Alerte Rouge 2 hein, qui est de loin le meilleur. Mais celui-là il a un petit côté, il a un côté aussi que j'aime énormément. Hein, qui fait que c'est mon deuxième Command & Conquer préféré. Ok du coup faut pas que. Voilà, du coup, ils ont une entrée par là, ils peuvent m'attaquer par là. C'est vrai que je les ai mis là, mais en fait. En fait je crois pas qu'ils peuvent m'attaquer. Ah si, ils peuvent m'attaquer aussi par là. Ben, du coup, faut laisser des hommes ici et ici. Construction terminée. Voilà. Nouvelles options de construction. C'est un jeu. En vrai, c'est un jeu qui a énormément de défauts, hein, ce Soleil du Tibérium. Voilà. Mais en vrai, il est pas mal. En vrai, il est très bien. Clairement, il est très bien malgré ses défauts.
majoritairement d'IA. C'est-à-dire que l'IA de Soleil de Tiberium est overpété, hein. C'est-à-dire que... Bah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Mon madac. J'arrive plus à parler, c'est affligeant. Bon après c'est vrai que d'un côté, la dernière vidéo j'ai tourné personnellement, c'était... En fait je sais pas en fait justement, je sais pas si cette vidéo sortira avant ou pas les autres du coup. Mais je crois que les dernières vidéos que j'ai tournées, bon, pour moi elles datent de... Ouais, décembre, c'était la FAQ je pense. Je sais même plus. Je sais même plus. On va commencer à se faire les blindés. Pourquoi je fais ça? Panthère. Panthère, tu commences à vieillir. Hein. On va peut-être commencer à aller à la maison de retraite. Du coup, on va se faire des titans. Les titans, hein, qui est le véhicule de base du jeu, en fait. Hein, côté JDI. Avec Eva qu'on entend derrière. Unité prête. Qui d'ailleurs aussi, pourquoi je fais aussi qu'on ait le Conquer, parce que déjà c'est une licence que j'apprécie énormément, et que j'en ai pas parlé énormément, du coup je vais essayer de lui redonner honneur sur cette série de vidéos. Alors du coup il y aura tous les Conan Conquer, hein, c'est-à-dire qu'il y aura le 1, Alerte Rouge 1, celui du Tiberium, Alerte Rouge 2, Generals, Conan Conquer 3, et Alerte Rouge 3. Je crois pas Conan Conquer 4, hein. Clairement je vous le dis. Vous attendez pas à avoir du Conan Conquer 4 sur la chaîne. Parce que c'est de la merde, tout simplement. Mais du coup, il y aura sûrement du Age of Empires, il y aura sûrement du Cossacks, il y aura sûrement du American Conquest aussi, pourquoi pas. Après, faut voir aussi si cette vidéo sera bien aussi, hein, niveau sonore. Voilà, parce que je ne ferai pas non plus 300 000 vidéos. Si je vois que le son est pas terrible, ben forcément, je les virerai en fait, hein, je les garderai pas. Hein. Mais là, du coup, on va un stratagème pour que l'enregistreur soit quasiment à ma gueule. Du coup, comme ça évite. Ça évite en fait que vous entendiez en mode étouffé en fait, hein, tout simplement. Par contre, je vois que j'ai pas une énorme entrée d'argent en fait là. Pourtant, j'ai du Tiberium bleu, je comprends pas. Je crois qu'on peut sauvegarder, hein, je sais plus, ouais on peut sauvegarder. Du coup au pire, hein, si je vois que après 20 minutes, je vois que j'ai toujours pas fini l'escarmouche, et ben au pire ce que je ferai, je sauvegarderai et ça fera la partie 2 en fait, un jour. Au lieu de lancer directement une autre partie, comme ça, je ferai ça, je pense sur tous les jeux que je ferai, si je vois que ça dépasse les 20 minutes, je coupe et je continuerai sur la partie 2 en fait. Je pense que je ferai comme ça. En tout cas, ouais, sortez pas trop avec le coronavirus, hein, clairement. Bon après, je peux non plus, parce que je sais pas quand est-ce que... J'arrive plus à parler. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, hein, mais... En tout cas, à l'heure où elle est tournée, on est en plein confinement, hein, clairement. C'est pas ouf, hein. Après c'est vrai que c'est des jeux qui vont pas plaire à tout le monde, hein. Clairement je le dis, hein, les STR c'est très spécial, hein. Il faut aimer les RTS, hein. Clairement, ça c'est clair. Les soldats, ils coûtent combien déjà? 50, non? Ils coûtent 120. Entraînement.
Après, c'est vrai qu'en termes unité, en termes infanterie dans le jeu, le node est avantagé. Vous savez quoi, on va voir si on peut pas piquer le node, justement. Parce que ça serait cool en vrai que je puisse piquer le node. Comme ça au moins. Après, je pense pas que ce jeu, enfin, la plupart le connaissent. Après c'est vrai que maintenant j'ai un défaut, c'est que enfin, finalement pour moi c'est des jeux qui sont devenus classiques en fait, mais classiques par rapport à mon âge, par rapport à mon âge avancé. Ah. Ils sont où? En tout cas, la carte est très jolie, hein. Mais de toute façon, ce jeu est très très beau, hein. Là, par contre, c'est pas cool. On va vite les envoyer là, parce que je sens que je vais tout... Ah! Mais c'est pas possible, c'est quoi cette carte? J'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude de Soleil du Tibériens. Du coup, hier j'ai pris une carte entre guillemets simple quoi. Et là, c'est vrai que la complexité géométrique. Ah! Voilà. Et normalement maintenant j'ai voilà, maintenant j'ai le truc de construction du node. Voilà, et ça c'est bien. Sauf bien sûr, sauf la raffinerie, hein, bien entendu, puisque c'est la même en fait, hein, justement. C'est la même. Moi, surtout l'infanterie du node que je veux. Parce qu'encore les véhicules, bon, les véhicules, c'est des classiques, hein. Bon? Première construction. Du coup, là, il faut que pareil que j'en fasse deux. On va en faire. Hein. Construction. Bien, Unité prête. le node. Après, c'est vrai que c'est. Après, c'est vrai que les commandes conquêtes, généralement, je joue même un peu RP. C'est-à-dire, je prends les couleurs des factions. C'est-à-dire, je vais pas prendre le JDI rouge, quoi. Unité prête. Moi, j'aime bien des fois jouer un Construction peu RP. terminée. La main du node. Construction. Et normalement j'ai l'infanterie, ouais. Et du coup oui, j'ai pas l'infanterie de base, puisque l'infanterie de base est la même en fait. Hein. Entraînement.
L'unité prête. Ben, du coup, j'ai 4 raffineries. Et 4 champs. Et 3 champs plutôt. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, ça, j'ai. Ouais, du coup, il en reste plus que 2 qui sont là-bas. Et qu'on peut accéder normalement par là. Du coup, par là. Et peut-être le deuxième, peut-être le dernier par là. C'est une carte symétrique. Et les cartes symétriques sont bien généralement. Faut le reconnaître. Les titans, ils sont bien généralement. Je préfère les titans au tank scarabée qui est leur équivalent node. Là-bas. D'ailleurs, dites-moi comment vous trouvez le jeu en plus, parce que c'est vrai que c'est un jeu que je pense pas que vous... je pense pas que ce soit un jeu ultra connu sur YouTube Game, hein, sur YouTube Game du moins, YouTube Game français. Je crois que c'est, je sais que les Américains le connaissent bien parce que généralement la licence Command & Conquer est très 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 connue aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France elle l'est un petit peu moins, du coup forcément. En France, on a plus l'habitude. En vrai, c'est vrai qu'en France, on a plus l'habitude des nouveaux Command & Conquer, c'est-à-dire Generals, le 3, le Alerte Rouge 3, Alerte Rouge 2 aussi. Hein. C'est vrai que Soleil de Tiberium, il est un petit peu, généralement, il est un petit peu oublié quand même. Ce qui est un petit peu dommage puisque c'est comme je vous dis, hein, c'est le meilleur avec Alerte Rouge 2, hein, clairement. Moi, c'est vraiment deux Command & Conquer à acheter, c'est vraiment Alerte Rouge 2 et Soleil de Tiberium, justement. De toute façon, j'aurai le temps de refaire une partie sur Alerte Rouge 2 et Soleil de Tiberium. Bon, en tout cas, on va sauvegarder et on reprendra plus tard. Voilà. Du coup, j'espère que cette première partie vous aura plu et on se dit à la prochaine.